Bien, ben bonjour, je suis aujourd'hui donc avec Monsieur Parallèle, qui est un violoniste d'origine limois, qui a accepté de me rencontrer et puis de faire l'interview pour que vous puissiez profiter de son expérience. Donc déjà, première question, Monsieur Parallèle, c'est qui? Alors Monsieur Parallèle, c'est un artiste de chanson française à la base, ouais, qui est très attaché à son violon. Tous les concerts que j'ai l'occasion de faire, c'est il y a toujours du chant, puis on part en voyage musical avec l'instrument, le violon. Ouais, c'est ce que j'ai vu sur tes vidéos, en fait. Donc tu mélanges chant et violon, en fait. C'est ça. Est-ce que tu peux juste nous redire ce que tu me disais tout à l'heure? Pourquoi Monsieur Parallèle? Oui, alors Monsieur Parallèle, ben voilà, ben on est passé par sortir d'un rêve difficile, après ça a été virage, donc il se passait un truc. et puis c'est devenu Monsieur Parallèle, et Monsieur Parallèle, ouais, c'est ce côté. Il y a un peu le côté la solitude, qu'on peut forcément, quand on a en parallèle. Il y a aussi le côté les mondes parallèles, le rêve. Et puis, pour jouer du violon, on dit qu'il faut avoir l'archet parallèle au chevalet. C'est pas ce que Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours, comment tu as pris le violon finalement au début? Alors, comment j'ai appris le violon? Bon, déjà, il fallait. Le choix de l'instrument, ça s'est fait en regardant une émission qui s'appelle C'est pas sorcier. Voilà, j'avais 7 ans. Et ils présentaient des instruments d'orchestre. Notamment, quand on est arrivé au violon, le premier violon, j'ai appris que le violon avait beaucoup de thèmes mélodiques. Les thèmes forts étaient très souvent au violon dans l'orchestre. Et ça m'a attiré. Voilà. J'avais envie de jouer ces mélodies qui me plaisaient. Et puis surtout, ouais, se retrouver dans un grand orchestre. Et alors après, au fil du temps, je me suis rendu compte que l'orchestre, c'est pas ce qui m'a le plus plu. J'ai beaucoup aimé être dedans et repérer qu'est-ce qui se passait à droite, à gauche, qu'est-ce que jouait chaque instrument. Mais petit à petit, j'ai dérivé au cours de ma scolarité. Alors j'étais au conservatoire de Nîmes. Petit à petit, j'ai dérivé vers tout ce qui est musique du monde. Et donc, tu as commencé par le classique. J'ai commencé par le classique et j'ai commencé. Oui, c'est ça. J'ai commencé par le classique de toute manière. Puis petit à petit, j'ai dérivé vers tout ce qui est musique actuelle, musique du monde. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui a fait que finalement tu es passé et comment tu as fait pour passer du classique à autre chose? Parce que moi, ce que j'ai expliqué dans le blog, c'est que quand j'ai voulu le faire, j'ai du mal à trouver des gens qui m'apprennent. T'as appris tout seul? T'as rencontré des gens? Oui, j'ai rencontré des gens. Il y avait des classes au conservatoire qui étaient assez intrigantes. Je suis passé par le contemporain avant. Il y avait une classe qui s'appelait l'Atelier 21, où j'ai fait la rencontre d'un professeur qui s'appelle Alexandre Sauvert. Et j'étais pas avec lui, il enseignait le violon au conservatoire, mais je ne le connaissais pas du tout. Et lui, ça a été vraiment la révélation. C'est-à-dire, au moment où j'ai changé de prof, j'avais une professeure qui avait une manière très méthodique d'apprendre le Académique. violon à l'académique. Ouais. Ça m'a créé beaucoup plus de raideur que. Du coup, j'étais pas confort quand je jouais. C'est comme si j'avais un peu réappris le violon d'ailleurs quand j'ai changé de professeur. Lui, oui, c'est impressionnant la dimension qu'il m'a donnée. C'est-à-dire, on a eu un travail vraiment sur le corps, la manière de se tenir, de ressentir. Puisqu'en fait, pour libérer le son de l'instrument, ce qui est important, c'est de pouvoir justement faire le moins d'efforts possible. Et on a tendance, vu que c'est une position un peu particulière, à se créer des raideurs, des trucs un peu inutiles. Et du coup, oui, Alexandre Sauvert, il m'a apporté ça. Puis il m'a apporté aussi tout ce côté musique indienne. Lui, il aimait beaucoup la musique indienne et toutes les musiques arabes aussi. Et voilà, petit à petit, ça a été Ça a une été passerelle. classique, passage au contemporain, C'est puis ça. ensuite tu as commencé à faire tes Ouais. découvertes. Puis alors, contemporain aussi, c'était très bien parce que ça m'a permis de faire des bruits, de faire des sons, et au-delà de quelque chose de tonal qui rentre dans une avec très mélodique, là on était dans quelque chose de. Il y avait une liberté totale dans le jeu, et là c'était le travail de la matière sonore. Et du coup, forcément, ça libère plein de choses, puisqu'on se préoccupe d'autres choses que jouer juste. D'accord.
bref. Il y a moyen de faire. D'accord. Je vois, c'est vraiment. Tu peux travailler sur les grincements. Mais l'idée, c'est. Oui, c'est d'avoir un cadre. Souvent, on a fait beaucoup de travail à partir d'œuvres d'art, comme des tableaux, et des tableaux contemporains. Ouais. Mais le tableau en musique, tu vois. C'était, par exemple. C'était ce genre d'exercice-là. Ensuite, j'ai fait beaucoup de musique de chambre aussi, c'est un truc qui me plaisait bien. Ouais. Et d'ailleurs, c'est là où je me suis plus, c'est le fait d'avoir des petites formations, ouais, concernant à l'orchestre, parce qu'au final, je vivais beaucoup plus de choses avec les gens, ouais, que dans un orchestre où on est pupitre par pupitre et puis on est dirigé. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et en tout cas, j'ai pas retrouvé cette complicité dans l'orchestre. Après, je suppose qu'il y a des orchestres où ça existe c'est sûr, même parce que quand tu veux faire vivre une musique, faut y être, quoi. On joue ensemble. Ouais. Voilà. Mais ça, par contre, dès que je jouais avec des gens que je rencontrais, là tout de suite il se passait beaucoup plus facilement une interaction, et ça m'a beaucoup plu. Donc, ouais, musique de chambre. Et la chanson française, ça c'est un truc qui. Ça fait des années que mes parents ils écoutaient ça. Moi je suis un peu né là-dedans. Il y a un artiste comme Michelin que j'aime beaucoup et qui m'a donné envie de faire ça. Et donc petit à petit, quand j'avais 18 ans, je commençais déjà à écrire un peu. Et ça s'est tissé petit à petit. J'ai fait un projet avec orchestre où j'ai pu écrire le concert pour un orchestre. C'était de la chanson, mais avec un orchestre. Donc ça, c'était très enrichissant. Donc le fait que toi, tu chantes avec un accompagnement musicien, donc ça veut dire que tu as composé aussi, en fait. C'est ça. D'accord. J'ai composé. Ouais. Et donc c'est parti plutôt avec la voix au début. C'est parti avec la voix. Puis alors j'étais très fragile. Il y avait, ça se trouve sur Internet. Je devrais limite pas le dire parce que c'est pas au point. C'est vieux. Entre temps, j'ai fait un travail sur la voix. Puis j'ai fait. Ça a mis beaucoup de temps à se monter, ce projet, jusqu'à ce que ça s'appelle Monsieur Parallèle. Avant, il y a eu le concert avec orchestre qui s'appelait Sortie de rêve difficile. C'est un truc qui m'a pris énormément de temps, où j'ai passé l'été à écrire. J'ai beaucoup composé. Puis du coup, c'est ça qui a créé des titres comme Le désert, comme d'autres qui viendront plus tard. Je vais pas les citer, mais. Voilà, ce côté un peu grandiose dans la musique, c'était un peu mégalo. D'ailleurs, généralement, les artistes, ils font le contraire. D'abord, ils font leurs petits albums. Puis là, on voit des Peter Gabriel, des Sting qui font avec orchestre. Moi, j'ai fait un peu tout à l'envers. Et voilà, le résultat, il n'est pas fou. Mais c'était très enrichissant personnellement. Et puis on s'est bien marré. Et tu peux nous dire un peu ce que tu fais en ce moment, justement? En ce moment, là, dernièrement, j'ai fait un concert... autour des musiques africaines, autour de thématiques de l'Afrique. Et c'était dans le cadre du Printemps des Poètes. J'ai fait un voyage au mois de novembre où je suis parti dans le Sahara. Donc j'ai joué avec des Touaregs et j'ai partagé beaucoup de choses. Et du coup, y a plein de vidéos du voyage d'ailleurs. Hein. Je sais pas si tu es tombé dessus. Bon, ce qu'on fera, c'est qu'on va mettre sous la vidéo quelques références que va me passer de ce parallèle pour que vous puissiez écouter ça. Thank you.